la pénurie d'eau se profile de plus en plus comme un danger pour l'humanité. Dans une mise à jour d'Aqueduct, l'Atlas des risques liés à l'eau du World Resource Institute WRI. Il ressort que 25 pays, abritant un quart de l'humanité, sont déjà exposés à un stress hydrique particulièrement élevé. L'organisation estime qu'un pays connaît un « risque hydrique extrême » quand il utilise 80% de ses réserves d'eau annuelles. Aujourd'hui, 2 milliards d'humains risquent de connaître une pénurie d'eau, soit un quart de la population mondiale. Sans intervention, comme une meilleure gouvernance ou une meilleure infrastructure hydraulique. La situation risque de s'aggraver. Selon le WRI, 1 milliard de personnes supplémentaires pourraient être exposées à ce risque en 2050 et ce, même si on parvient à limiter le réchauffement planétaire à 2,4 degrés Celsius en 2100, ce qui est un scénario optimiste. Le monde est confronté à une crise de l'eau sans précédent, exacerbée par le changement climatique, alerte le WRI. Parmi les pays exposés, on retrouve le Bahreïn, Chypre, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar, les 5 pays où la situation est la plus critique, mais aussi la Belgique, qui se classe en 18e position. La demande industrielle, qui représente près de 90% de tous les besoins en eau en Belgique, en est la principale cause, précise à nos confrères de Libération Samantha Kuzma, responsable des données d'Aqueduct.